Salut tout le monde, on se retrouve sur Into the Death, une démo qui vient de sortir. Les mères qui grignotent et ne peuvent pas convenir à des personnes photosensibles ou épileptiques. Laissez au discernement des joueurs. Cette démo n'est pas classée pour l'instant. Alors, regardez en fonction de votre PC, j'ai les lumières dans l'écran. Ok, on peut pas aller au-dessus de haut. Bon, c'est bien comme ça. Ouais, c'est comme ça. C'est parti. C'est parti. Nouvelle partie. Jeu de zombies. En 2D, je sais pas, 3D, 2D. This is your mayor, John Ward. Now, I want to take a moment to thank y'all for your patience and resolve in these most challenging times. It's that southern spirit, it's that Texas grit that gives me full confidence that we'll not only get through this crisis, but come out stronger on the other side. That's it. I only wish I could be here to see it, huh? However, folks, I regret to announce that today I'll be moving my office to a secure spot outside the city limits. Now, no need to go assuming the worst. This move is strictly to facilitate better coordination with our boys in uniform, who are at this very moment putting together a surefire plan to retake our city and eradicate the... Huh? Let's get away. They're where? Excuse me. Hold tight, secure your homes, and I assure you, the tide will turn. God bless you. God bless you. I'm not sure if anyone out there is still listening to this trash, but if you are, know this. Nobody is coming to help you. There's no plan. They... Look, what they did... It's wrong. It's all wrong. We are trapped. And staying here isn't an option. You have to get out. Escape the city any way you can. Get out now. Ah, mais je fais ça, c'est vraiment... Diane a passé son temps hors des cours à servir dans des bars locales, économisant chaque sou pour acheter une paire de platines de luxe. Elle avait toujours eu du mal à se lier avec Sébastien, le propriétaire réservé et ronchon, qui ne se livrait pas. Mais à présent, après avoir fui l'établissement, ils se sont découverts un point commun, la volonté de survivre. Eh ouais. Alors
armurier, coup de réparation des armes réduites, tireur d'élite, inflige plus de dégâts avec des armes à feu, lassé, restaure son moral plus lentement que les autres. Ouais, Diane, infatigable, perd plus lentement du repos que les autres, optimiste, une petite quantité de morale à chaque phase. Artisan maladroit, les réparations de barricades sont moins efficaces. Ok. Darrell et Léo. Darrell est un entraîneur de baseball irritable du lycée. A eu un mail à partir avec un étudiant difficile du nom de Léo. Malgré ses frustrations, Darrell est déterminé à rester aux côtés de Léo pour l'aider à localiser sa famille, alors que la ville entre dans le tourment. Dans la tourmente. Darrell, estomac en acier, peut manger n'importe quoi sans subir de mal, ouais. Sculpteur, coût de réparation des armes de mêlée réduit. Mauvais cuisinier, peut uniquement cuisiner de la pâte. De la pâtée. Coriace, subit moins de dégâts en combat. Batteur costaud, dégâts supplémentaires avec des armes de mêlée. Vorace, perd plus de faim à chaque phase. Ok. Hector et Kayla. Kayla est une lycéenne passionnée par la magie. Elle a passé d'innombrables heures dans sa chambre à perfectionner ses tours de passe-passe et autres illusions. Sa relation à son père, Hector, s'est dégradée ces dernières années à cause du comportement obsessionnel et paranoïaque de ce dernier. Toutefois, après la mort tragique de la mère de Kayla, ils se sont réconciliés et ont uni leurs forces pour trouver un moyen de quitter la ville. Hector, bricoleur, gagne composants de ressources supplémentaires. Il demande des trucs, fortification, coût de fabrication de barricades réduits, ouais. Insomniaque, plus de repos perdu à chaque phase. Évitement, faible chance de ne subir de dégâts en combat qu'il y a, roi de l'évasion. Crée plus de rossignols sur l'établi. Bois coq, espace de sac à dos réduit. Daphné et Penny. Daphné, psychologue dévouée. Aider sa patiente, Penny, à gérer ses pensées intrusives et ses pulsions violentes. Néanmoins, quand la ville fut envahie par les morts-vivants, elles ont commencé à compter l'une sur l'autre, comme elles ne l'auraient jamais envisagé. Daphné, entraînée au premier soin, coût de fabrication, fourniture, médicaux réduit, recette produisant plus de nourriture, ouais. Dégâts d'attaque réduits, ah ouais, t'as pas beaucoup, elle. Et Penny, expertise de l'âme, avec des couteaux. Ah, putain, j'ai cru que c'était furtif, moins de bruit en pillant. Hantise, les attaques des morts vivants peuvent aussi causer un traumatisme. Ah. Qui t'es qui, on va prendre. Vous savez quoi, on va prendre Penny, la psychopathe. Allez, on va prendre Penny. Cet abri ne conviendra pas. Les barricades sont en mauvais état et suffisent à peine pour survivre ici. Nous devons déménager vers un nouvel abri, dès que possible, et trouver un moyen de nous échapper de cet enfer. Chaque jour est divisé en deux phases, jour et nuit. Durant une phase, vous pouvez assigner des survivants à des stations de travail, combler leurs besoins ou piller. Confirmer les actions pour clôturer la phase et mettre les survivants au travail. C'est sur la station cartographique que vous assignez les survivants pour qu'ils pillent les lieux à proximité et à la recherche de ressources. Et puis là, je commence dès la fin de la phase en cours. Ok. Ok, attends, on va fouiller d'abord la baraque. Ok.
D'accord. Ok, barricade en haut. Ok. En haut à droite, c'est la barricade, c'est la résistance du truc. Je peux pas signer quelqu'un. Ça fait penser à War is Mine. Mais en plus détaillé hein, et en couleur. Bon, alors attends. Ah oui, je peux passer sur l'autre. Je peux monter l'escalier, mais ça s'arrête à ça. Oh là, mais il y a des zombies, mais il y a même des zombies ici. Je crois qu'il faut qu'on part. Hein. Préparer le pillage. C'est War is mine. Allez piller. Si je veux annuler, et elle, bon, on va passer la nuit. Attention, perdre un survivant est définitif, j'imagine. Merde! Non! Mais. Mais non! Avec elle du coup. On va prendre le lockpit. Moi le lockpit. Ah oui, faut que je passe la nuit, c'est vrai. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite base. Après, bon, c'est pas qu'on est habitué à War is Mine. J'imagine que les oiseaux ont fait gaffe. C'est un petit mélange. Et ça fait penser à le système de fouille comme ça, c'est State of DC. Comment je jette un œil? Nouveau lieu découvert, disque discount, quincaillerie, S fils, graphite et fils et presbytère. Ok. Vêtements, brossons, trouver. Gotta go.
aucune arme. J'ai pas d'arme. Attends. Un ciseau. C'est une arme normalement. Je peux pas fouiller, non? J'ai bien fait de venir avec eux. Avec une hache. Attends, j'irais bien. Est-ce que je peux pas buter l'autre? Celle qui est dans la maison. Bon. Je peux pas. Et là, je peux enfermer. Ah, je peux fermer la porte. Ok. J'entends. Ah mais c'est vraiment petite maison. Mais ça me plaît. Ok. Alors. Après ça se passe comment? Ok, elle pose tout. C'est vraiment. Alors. Je peux pas aller dans le fond. On peut, c'est vraiment au premier plan. Voilà, tu déplaces au premier plan. Je peux faire quelque chose pour aider? Bah la cuisine. C'est où la cuisine? J'ai fait du bruit, tu vois. Elle vient frapper à la porte. Regarde, là, je fais pas de bruit. Ils viennent pas. Elle est là, la cuisine. C'est terrible. Allez, on va faire de l'explo. Zombie faible. Quelques objets utiles, encore cachés au milieu de la pagaille. On y va avec. Là. La hachette. Hop, c'est parti. Les armes à bulles, quand elles sont utilisées, choisissez vos combats judicieusement. D'accord. Pas moyen de regarder. Merde. Tu en veux, il dort. Porte bloquée par une chaise.
j'ai des barbales, lui. On va attendre. Come on. C'est stylé, c'est joli quand même. La ville est sympa. Pas beaucoup de zombies pour l'instant, c'est le début. On peut pas regarder à travers. Je peux pas regarder dehors, chaud de survivant. Mêlée, inter. Non, non. Une pièce d'armes. Nice, nice. Tchou, pétasse de merde. Mal. Elle m'a vu direct. J'ai fait du bruit ou quoi? Ok, il faut que j'avance vers la porte. Ok, je fais flèche gauche et ça ne regarde pas la fenêtre. Ok, ok. On va ouvrir. Ça ne sait jamais si on a besoin de fuir. Après les boîtes en bois, je sais pas ce qu'on va en foutre. Ah, ça peut pas se stack plus de 4. Ok, ça pourquoi il y a un point? Ah, il est endommagé. Ok, ok. Bon, bah, on reviendra. L'écriture, voilà, Funky Cops. Ça, ça fait très Funky Cops. Fixation source. Blablabli, ok. Ah, je peux pas regarder par contre. J'essaie excité. J'essaie un peu excité. Alors. À la fin, comment on procède? Malbouffe. Ah, tu fais un double kick? Ok. Lui a un peu blessé, ça. Comment je fais pour réparer? Okay.
Et là, si je veux prendre elle maintenant, je fais comment? Daphné a perdu, épuisement, a gagné et a perdu. Donc faut qu'elle aille se reposer, elle. Elle va pas bien, elle. Faut lui faire manger. Voilà. Elle va aller dormir. Qu'elle se repose, elle a barricadé. Elle va faire une sieste. Voilà. Hop. Et nous, on va s'occuper du reste. Voilà. On va retourner là-bas. On n'a pas tout pris. Ah, attends. Attends, attends. Je viens de voir un truc là. Changer d'abri. Est-ce que les trucs me montrent différents? Nombre de lits 1. Barricade. Ah mais on peut pas partir. On n'a pas ouvert la zone. Il y a des placards, il y a plein de trucs d'ailleurs. Là-haut. Comment je fais? Avec la hache. Attends, je m'équipe la hache. Hop. Attends, je l'ai. Allez, on va aller chercher les trucs là-bas. Je crois qu'on peut changer d'abri, on verra après. Est-ce que les aides sont de nouveau revenus quand t'es pas là? Disco. Discount. On dirait pas. Ce coin. On a l'étage. L'étage, on a cette grande pièce. On a ce bureau. Est-ce qu'on a une cuisine? On n'a pas de cuisine. Ah si, on a une cuisine là. On a une cuisine. Bah pourquoi pas, on va changer. On va changer de base. Benny a perdu, il est fort, vraiment. On va... À prendre le ciseau là. Ok. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Non, on peut pas. Eh bah, ben, vous savez quoi? On va déménager. Dépassez vos survivants à Saratobi. Les survivants assignés à des stations ou des lieux à la carte seront désassignés. Toute fabrication en cours sera annulée ou remboursée. Changez d'abri. Allez, change base.
Les débris fabriquent les articles essentiels et assemblent les nouvelles stations pour augmenter la capacité de votre base. Ils sont la clé de la survie en long terme et vous les emportez quand vous changez d'abri. Ok, là. Oh. Là, il faut. Il faut qu'on fasse des barricades. On revient sur elle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une zone de cuisine, ça peut être pas mal ça. Établi d'armes, permis de fabriquer des marteaux et des couteaux. Ça aussi, c'est pas mal. On va faire la. Les armes ou la bouffe? Ah. Ouais, la bouffe. Parce que la bouffe, on pourra faire des plats. Ah, mais attends, mais je peux faire plusieurs trucs. On va faire des loctites. Et c'est tout. Ok. Ok. Trop mal aux pieds. Pas la moitié d'une chose. C'est la carte. Ah là, c'est barricadé. On avait une cuisine, on avait une si belle cuisine. Ah, c'est où que je vais bouffer alors? Ah, c'est là-bas. Le bruit. Je suis au bout du rouleau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à moins de là, là? Oh là. Parfait. Toi, tu vas rester là parce que toi, t'as l'air dans les choux. Et elle. Un vaste éventail de vinyles à prix cassé. Presbytère. Oh, il y a beaucoup de zombies là. Viens, on va aller là. On va prendre déjà un loctite. J'espère que je le prends pas pour rien. Oh, une poêle, allez. Merde. Loctite et. Poêle. Qui une poêle. Elle est pillée. Ah oui, il faut que je passe la nuit. Il est trop risqué d'appliquer un bandage tout en pillant. Il devait attendre d'être de retour à l'abri. Ok. Funky Cop. Les zombies là-bas. Chercher des possibilités pour grimper W. Comment je vais là? Je suis juste à côté de lui. Comment je fais pour lui péter la gueule? Ah ouais, tu fais passer comme ça là? Ah.
Sérieux? Bien fermé. Gardez son calme. Une liste a été placée sur le panneau d'affichage avant de partir. Emporter des vêtements, apporter les papiers d'évacuation, verrouiller toutes les portes, apporter l'inventaire dans la réserve. Ok. Ping. Le pouvoir de la poêle. Ok. J'ai quoi sur moi? Il me reste deux emplacements, j'aimerais bien trouver un truc à déverrouiller. Il est mort lui, j'espère. Casse-toi. Oh putain. Elle est descendue. Je pensais qu'on pouvait rester dans le coin de l'escalier de merde. Mais non. Non. Elle a fallu qu'elle descende et qu'elle se mette dans l'allée. L'état d'œil. Oh bah l'autre, elle est déjà dépressive. C'est fini. C'est fini pour elle. À 10 découvert. En pire, nous avons trouvé des preuves d'une évacuation civile coordonnée. Dans plusieurs quartiers de la ville, nous devrions y aller faire un tour pour voir si on peut recueillir des infos. Non, mais l'autre, c'est... Attaque de zombies. Les marmots ont jeté contre la barricade. Ils ont pété une barricade, ok. Ah ouais, c'est tout. Ah merde. Ça c'est quoi ça? C'est l'état de santé? Comment je fais pour remonter? Ça c'est quoi? La bière. Ah voilà. Et un petit coup à la maison. Et à ma copine qui est décédée dans la maison. On va y aller. J'ai besoin de faire une pause. On va y aller. Il faut qu'on récupère les affaires. On peut pas laisser les choses comme ça. Hop. Merde. Ça, je... Non, mais... C'est bon, là, j'ai pris le truc au moins. Non, c'est F. Ok. Mais, hey, mais... C'est des bons. J'ai du mal. Et c'est parti. Allons retrouver le cadavre de notre ami. Ou alors finir comme notre ami. Bah, je traverse tout comme ça, les zombies ne bougent pas. Non, t'es sérieux? Tout ce que... Ah oui. Toi, t'es con. Les autres, ils sont où?
Punaise. Je sais pas que c'était de porter et faire une alarme. Épuisement, bah ouais, t'es toute seule, chérie. Est-ce qu'on peut trouver d'autres survivants? Elle est fatiguée, allez, on va la faire dormir. Ok, elle a dormi. Je lui fais bouffer de la viande crue, putain. Ah merde, ah bah oui, mais si je vais faire ça. Ah bah oui. Faut que je passe la nuit. Ouais, une barricade en moins. Ouais, ça pue ça. Qu'est-ce que je... Zone médicale niveau 1. Ça peut être pas mal ça. Ouais, on va passer une nuit. Ok, ça c'est la zone médicale où on fabrique des bandages et autres conneries. Ok. Attends. Il y a un problème avec sa santé mentale. Quoique, attends, on va pas dépenser. On va faire une barricade. Je viens de faire une barricade et ils ont niqué déjà les trucs. Allez, on va lui faire une sieste. Mais ça va pas être possible tout seul. Ok, on va aller boire une bière. Bon, moi j'ai un bout. Boire une bière. Dépression. Dépressive. Oh putain. On est mal. On va retourner là-bas, il y avait trop de trucs qu'on n'a pas ramassé. On va prendre la batte. Trop de trucs qu'on n'a pas ramassé, le loctite, c'est pas grave. Il nous faut des planches. Combattre un mort vivant pour alerter les autres, attirer moins l'attention en vous cachant. Et en attendant, la menace s'éloigne. Voilà. Elle a envie de vomir. Ah, faut pas qu'elle se mette à vomir. Hmm.
j'en viens avec un loctite. J'ai pas de quoi faire une barricade. Moyen, c'est que là c'est ah, c'était moyen aussi. Allez, vas-y, il nous faut des planches. Si on n'a pas de planches, ça va être la merde. Merci d'avoir joué. C'est pas que vous aurez aimé la démo. Ajoutez-la à votre liste de souhaits pour elle. Merde, c'est fini. Merde, et ben les amis, voilà. C'était Into the Dead or Darkest Day. Et on se retrouvera la prochaine fois pour le jeu quand il sera sorti. Ça m'a donné envie vraiment. Les zombies, voilà. Et là, il est vraiment sympa. En attendant, je vous dis à bientôt pour l'accès anticipé en 2025. Ben, on a le temps. Mais avant ça, il y aura plein de jeux encore où je vais m'énerver. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao.